Il est vide, tu crois? Hey, regarde! Monsieur Ching, on vous demande au téléphone.
Allô? Oui, c'est Ching. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Non. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? On vous demande au téléphone. Oui. Oui, oui, c'est Locke. Vous plaisantez? D'accord. Tenez. Des nouvelles de Ching au téléphone? C'était Locke. Qu'a-t-il dit? Qu'il s'en balance. On ne m'écoute jamais, Chen est vivant. Je vous avais dit que ça arriverait. Et maintenant que Lun Chen revienne, nous avons intérêt à être très prudents. Oui, ça je le crois. Vous avez raison. Et ainsi notre plan se réalisera. En attendant, j'aimerais savoir quelle part vous me donnerez si mon plan devient une réussite totale. Cette question m'étonne de vous, Clarine, car tout ce que j'ai va être bientôt à vous, hein? Vous le pensez sérieusement? Vous en doutez. Mais je n'ai qu'une seule parole, une seule. Lorsque je dis que je vais faire une chose, je la fais. Monsieur Lung, je suis surpris. Tu n'attendais pas mon retour? Non, personne n'en a parlé. 3 ans à peine. Et tu as réussi à être le patron. Ah, vous vous trompez. Moi, je ne suis pas le patron. Alors, qui est-ce? Lok Shi? Ching Tai? Pao, c'est ça? Oui, c'est ça. Lango, souviens-toi, il y a maintenant 3 ans qu'ils m'ont volé cette affaire, n'est-ce pas? 3 ans qu'ils m'ont donné aux flics. Exact, Lango? Quant à toi, je pense que tu étais avec eux. Moi? Oh, sûrement pas. T'étais pas avec eux. Avant ça, si je me souviens bien, tu étais employé ici, tu travaillais pour moi. Et maintenant? Tu travailles toujours ici et pour eux, d'accord? Yuan Ho, tu as eu un bel avancement. Monsieur est le patron du casino. Oui. Dis donc, mon vieux. T'es sûr que tu ne m'aurais pas un peu trahi? Oui, oui, je vous le jure, j'aurais pas osé vous trahir. C'est par bonté qu'ils m'ont donné cette place. Ah oui, par bonté. Bah, ils sont gentils, tes copains. Mais oui, bien sûr. Je sais très bien que tu n'as jamais eu l'idée de me trahir. Je voulais juste te tester. Tu as eu des nouvelles de Shi Yong? Shi Yong? Oui, et tu dois savoir où le trouver.
C'était ton meilleur ami. Oui, mais il n'a plus rien et maintenant je crois qu'il fait des fleurs en plastique. Des fleurs en plastique? Oui, oui. C'est toujours mieux que rien. Vous voulez que je vous conduise à lui? Non, pas la peine. Je le trouverai tout seul. Cet argent, je le garde. Maintenant, c'est bien. Bien sûr, oui, oui. Et si elle te demande où il est? Oh, pour ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes le patron. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je connais le chemin. Bien, monsieur, bien. Alors, pas question de me trahir? Non. Wanro? La nuit dernière, j'étais un peu en colère. Rien qu'à le voir, ça me rendait malade. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'il me trahirait. Ouais. Désormais, je crois que tu n'auras confiance en personne. Lorsque je suis parti, tu l'as bien rencontré. Je l'ai revu une fois. Ensuite, j'ai su qu'il allait travailler au casino avec Pao, alors j'ai laissé tomber avec lui. Hé, Jae-young, arrête un peu de jouer avec tes fleurs, j'ai à te parler très sérieusement. J'ai pas le temps, demain je dois tout livrer. Je vois que t'as pas du tout changé. Une chose m'étonne. Dis-moi, pourquoi t'as pas été descendu il y a 3 ans? Je suis sûr qu'il savait que toi et moi, on était très copains. On nous prenait même pour des frères, tu te souviens? Bois ça. Maintenant, on peut discuter. Jae-young, me voilà. Tu ne dois pas rester plus longtemps ici. Ça a été très dur ici, ces dernières années. Mais pourquoi changer? En réalité, je vis ni mieux ni plus mal. C'est tranquille ici, et sans risque. Mais toi, pendant ces 3 ans, qu'est-ce que tu as fait? Où as-tu vécu? Ces 3 années ont été dures pour moi aussi. J'ai été soutier sur un rafio qui cabotait vers le nord. J'avais une bonne solde. En une année, j'ai réussi à visiter tout le Japon ainsi que la Corée. Dis donc, tu as dû gagner pas mal d'argent. Ah ça, j'en ai eu dans les poches. Mais ensuite, j'ai tout dépensé. Tu vois, en Corée et au Japon, l'argent m'a permis d'étudier. Tu as étudié? Oh, durant mes escales au Japon, j'ai suivi des cours et appris le karaté. Et en Corée, j'ai tenté un peu d'aïkido, entre autres. Je vois que tu es toujours partisan des sports, hein? Je dois dire que le sport n'y est pour rien, cette fois. Ah bon? Tu penses à une revanche, sans doute. C'est vrai. Je veux ma vengeance. D'abord, je veux leur faire payer les années d'éloignement. Et récupérer ce qui est à moi. Tu y crois? Recommencer tout à zéro? Et les autres? Ils sont très puissants. Songe que tu es seul et qu'ils ne t'épargneront pas. Est-ce que tu penses que ça pourrait m'aider? Avec ça? Ouais. T'as des chances. Autre chose. Que devient Clarine? Tu sais ce qu'elle fait? Elle n'a pas du tout changé. Elle est toujours aussi jolie. Et une fille, Lung, ça sait se débrouiller. Je suis sûr que tu l'aimes encore, hein? Mm-hmm.
Ching Tai, ça ne va pas. Ching Tai, tu es de pire en pire chaque jour. Je vais te montrer. Locke, il faut savoir rester calme. Ta balle. La tienne. Calme et tout devient facile. Écoutez, c'est réellement très simple. Allez chercher les balles qui sont là et imaginez que c'est notre gars. Quand il est en dehors du cercle, vous ne pouvez pas l'avoir. Quand il est dedans, c'est impossible qu'il s'échappe. Cette fois, nous l'avons raté tout simplement à cause de la hâte. Il était bien trop fort, mais maintenant, nous allons l'avoir. N'oublions pas qu'il est seul. Je pense qu'on est trop prudent. Il y a 3 ans, nous l'avons eu par une action surprise et ça n'a pas été très facile. Ching Tai, je crois que je vais m'occuper de lui. Eh, il est à moi. Ok. Moi, je vous le laisse. Soyez vigilants, on ne doit pas le rater encore une fois. Compris? Tu ne veux pas que je t'attende? Tu plaisantes. Toi, fais attention. Ça va. Je ne peux être utile qu'en vie. Sinon, comment te retrouver? Ciao.
Chen. Il y a 3 ans et tu es encore plus belle. Depuis quand es-tu de retour? De la nuit dernière. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'espérais te surprendre. Oh, belle surprise, regarde. Lou Chen, comment es-tu entré? Par la cuisine. La porte était ouverte. C'est Aping la coupable. Elle sort tout le temps et oublie de fermer la clé. Aping, qui est-ce? C'est la bonne, tiens. Elle a toujours des rendez-vous. Lung Chen? Oui? Quelque chose ne va pas? Penses-tu que tu as été suivi? C'est sans importance. Clarine, j'ai sans arrêt songé à toi. Sors en vitesse de ce lit. Moi, puis-je au moins remettre mon pantalon d'abord? Chayoung. Chayoung, parle. Chéa, non pas ça, arrêtez, ils l'ont emmené chez Chinta. Où est-ce? Je n'en sais rien. Où étais-tu passé? Je t'ai longtemps attendu. Chayoung vient d'être capturé. C'était les gars de Chintai. Que vas-tu faire? Le retrouver. Mais dans quel endroit? Chintai dirige un nightclub et il a aussi un gymnase. Un gymnase? Depuis 3 ans, ça a changé. Il possède la ville en partie.
Lok Chin est propriétaire d'un hôtel qui lui sert de façade dans ses trafics. Ching Tai également. Et c'est Pao qui est le grand patron. Il a sous sa coupe plusieurs sociétés. On dirait presque... On dirait presque quoi? Qu'ils sont les meilleurs associés du monde. Mais en réalité, ils sont l'un contre l'autre. Je le crois sincèrement. On était des copains. Et j'ai payé très cher le prix de leur extrême amitié. Est-ce que tu es certain que c'était vraiment eux? Je sais que le coup vient bien d'eux. Mais peut-être... ont-ils été aidés par un autre? Tu crois, Lung? Oui. Ne t'inquiète pas, je vais d'abord m'occuper de ces trois salauds et après je trouverai bien le quatrième s'il y en a un. Ne néglige rien. Sois tranquille, je le trouverai. Tu vas attendre ici, je reviendrai vite. Mais où vas-tu? Je repars à la recherche de Chaïoun. Laisse-moi aller avec pas toi. Pas question. Je serai vite de retour ici. Il vaut mieux que tu m'attends. Sois prudent, chérie. Parle! Où est Lung Chen? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il a pu aller. Thank you.
Tu es revenu très vite. Tu n'as pas pu le retrouver? Comment va-t-il? Ils l'ont tué. Quoi? Il est mort? Je suis arrivé trop tard pour lui. Par contre, les hommes qui l'ont tué ont payé. Tu as pu avoir aussi Chintai? Oui, on ferait mieux de partir. D'accord, mais laisse-moi changer de chaussures. J'en ai pour 5 minutes. C'est ton tour. Vas-y. Un moment, s'il te plaît, je dois téléphoner. Non, non, je suis seul. Qu'est-ce qu'il y a? Chintai a été tué au gymnase par Lun Chen. Quoi? C'est arrivé quand? Il y a un peu moins d'une heure. C'est sensationnel. Nous sommes sur la voie du succès complet. C'est bien cela. Je suis absolument sûr que notre plan réussira. Au revoir, chérie. Est-ce que tu as des nouvelles de Lun Chen? Aucune chance qu'il nous échappe. Ça ne sera guère facile. Il est loin d'être fini et on est les prochains. Il faut l'avoir avant. Sinon, c'est lui qui nous descend. Ok, Locke. Si tu veux te faire descendre, tu agis comme Chintai. Ou alors attends. Harry, c'est un avertissement. Chintai avait la prétention de savoir. Mais il a fait l'erreur de prendre Che Yung sans m'en aviser. Il voulait s'en servir d'appât afin d'attirer Chen Lung. Il est mort. Tu me vois faire pareil? Je le crois, Locke. Tu es moins fort que Chintai, et il avait aussi des gars plus forts que les tiens. Pas besoin d'une armée, ça ne servirait à rien. Très bien, alors. Dis-moi ton plan. Tu le sauras dès qu'il sera mort. Et tu vas le tuer seul? J'ai toujours été seul. Est-ce que tu as eu un jour à me dépanner? Jamais personne ne m'a aidé à obtenir la situation que j'ai. C'est la raison pour laquelle tu m'as choisi comme associé, n'est-ce pas? Je n'ai aucunement l'intention de faire la moindre erreur avec Chen Lung. Tu veux dire que... Pao, il est temps, je crois, de discuter. Ok, ça va, parle. Au sujet de Chintai, il faudrait savoir comment nous partagerons. Tu sais, j'ai de nombreuses charges, alors je dois avoir davantage. Ce qui fait que cette fois, je garderai 2/3 et toi, tu auras le tiers restant. Ah, d'accord. Et j'ai pas envie de marchander. L'héritage de Lung, il y a 3 ans, était d'environ 10 millions. J'ai rien dit et j'ai accepté juste une petite part. Aujourd'hui, je veux plus. Ah, et quelles sont tes exigences? Fifty. La moitié? D'accord, il est possible que ça se fasse. Dans le fond, ce que tu demandes peut justifier. Et Lung Chen? Lung Chen? Celui-là, je m'en charge. Tu penses t'en sortir? Je m'en sortirai. Combien de temps te faudra-t-il? 1 ou 2 jours suffiront, c'est un maximum. Ok, nous sommes entièrement d'accord. Dans ce cas, notre prochaine rencontre se fera dans le vieux château à minuit. Je veux qu'à ce moment-là, Lung soit déjà liquidé. Mais dis donc, pourquoi là? On n'y va plus depuis longtemps. Ici, ça devient dangereux. Tu comprends? Trop de gens peuvent passer chez moi. C'est pourquoi je préfère là-bas. Ok. Mon vieux, à minuit, dans 3 jours, tout sera fini. Je l'espère, tu sais. Ai-je aussi la promesse que ce sera fait? T'as ma parole. Je la prends. À bientôt.
Tu n'es pas blessé? Non, non, ça va. Hé, monsieur, votre addition. Oh. Gardez tout. Merci, monsieur. Pousse-toi, je vais conduire. C'était pas des gars là que j'en suis sûr. Oh, il a bien changé durant ces 3 ans. Il a changé? Maintenant, il est riche. Tu dois te tromper. Locke n'a jamais eu de gars à sa solde. Depuis que je le connais, il agit seul. J'ai raison, je le sais. Plusieurs fois, il a appelé ce matin au téléphone pour savoir où tu pouvais être. Je ne voulais pas lui dire, il m'a prévenu que ces gars allaient s'occuper de moi. Le salaud. Chérie, j'ai peur de rester seule ce soir chez moi. Passons la nuit ensemble, si tu veux. Entendu. Je passerai te prendre. Ne te dérange pas, je viendrai par mes propres moyens. À quelle heure? Oh, vers 11 h. Es-tu prête, chérie? Tu es si pressée. Dépêche-toi de venir, j'ai quelque chose à te donner, un petit cadeau. Ah, et qu'est-ce que c'est, dis-moi? Regarde, voilà. Ah, c'est vraiment magnifique. Il te plaît? Est-ce que tu me donnes là un acompte sur ma part? Juste un petit hommage à ta beauté. À propos de nos deux plans pour Locke et Lung, quand ils seront morts tous les deux, quelle sera ma récompense? Tu peux avoir tout de moi. Et vraiment sans regret. Sans regret. Soyons sérieux. Au sujet de nos deux amis, quand as-tu arrangé ça? Aucun changement, tout sera parfaitement chronométré. Et ce sera le dernier acte. Nous baisserons enfin le rideau. Il est déjà 10 h. Allez, debout. Non. Veux-tu du thé? Merci. Tu vas rester au lit très sagement. Hélas, je dois sortir. Je veux pas que tu me laisses. Ne t'inquiète pas, je reviendrai très vite dans tes bras. Je ne bougerai pas d'ici. Alors j'expédierai mon rendez-vous, chérie. Il faut que je parte maintenant. Monsieur Lung, un message pour vous. Ne fais surtout pas un geste. Tourne-toi. Ah! On dit que tu cherches à me voir. Tu en connais la raison, non? Allez, vas-y, et sans coup fourré. Par ici. Bon, reste là et attends. Moi, je préviens le chef. Allô, chef? On voit Locke qui embarque Lung Chen vers la rue. Ok. Je les vois très bien. Restez en place et ne vous faites pas repérer. Tu aurais pu tirer au bureau, hein? Alors où mène cette balade? Tu ne pratiques plus l'embuscade. C'est vrai, Long. Il y a 3 ans, tu devais pas connaître tes agresseurs. Cette fois, c'est différent.
Hé, c'est quelqu'un de drôlement fort, ce Lockshy. Regarde, emmener seul Lung, faut le faire. C'est pas trop mal. Si Locke est là juste pour liquider ce salaud, il devrait pas attendre si longtemps. Ah, je me demande qu'est-ce qu'il trafique. Regarde. Qu'est-ce qui peut te faire hésiter, Lockshy? Tu sais très bien que je suis pas loquace. Tu fais erreur. Lorsqu'on t'a attaqué, on était quatre pour te trahir. Si tu veux, je peux fournir le nom du quatrième. Ah? Je suis pas preneur. Ne te fatigue pas. Je te propose ta vie contre celle de Pao. Hein? Quoi? Celle de Pao? Chef, c'est pas clair. Il y a une anomalie. Dites-moi ce que je dois faire. Allez faire demi-tour. Revenez dans leur dos et écrasez-les. Je ne veux aucun coup de feu, compris? Tu vas les renverser. Associons-nous et tuons Pao. Hein? Tôt ou tard, nous devrons le tuer avant que lui nous fasse descendre. Alors les requins se bouffent entre eux. Et si je refuse cette offre? J'ai peur que t'en aies aucune autre. Je suis revenu dans le but de te tuer, et non dans celui de discuter. Tu ferais mieux de réfléchir un peu. Je pourrais t'abattre tout de suite. Tu reconnais ma voix? Longchen, tu sais qui je suis, mais tu hésites encore. Si tu veux me rencontrer, c'est facile, mais il faut d'abord que tu tues Locke. Je pense que tu te souviens du vieux château dans Knoulon. Demain soir à minuit, il y sera. Débarrasse-toi de lui et... Je te donnerai un rendez-vous. Fais attention, il est dangereux.
Oh, t'es là? Tu viens en retard. Quel homme! Lung Chen, c'est toi? Okshi! Ok, montre-moi, Lung, que tu sais te battre. Lakshi. Thank you.
Lokshi. Depuis 3 ans, on a un compte à régler. Ce soir, je me suis libéré de ma dette. Tu te souviens de cette casquette? Il y a 3 ans. C'est toi qui me l'as donnée. Ce soir, je te la rends. Ne serait donc pas ici. C'est vrai. Tu mens. Si elle n'est pas dehors, elle est par là, non? Elle n'est pas là, je le jure. Écoutez-moi ça. Non. Oh. 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 Allez, parle. Où peut-on trouver Lin Chen? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Là. Dehors, vite. Emmenez-la à la montagne. Hello. Celle-là? On peut la liquider. Non, mettez-la dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Où est Clarine? Monsieur, vite. Des hommes armés l'ont emmené. Armé, dites-vous? Oui. Et vous pouvez me dire qui c'était? Non. Celui qui commandait s'appelait Tien et un autre San. Pao Tien? Oui, c'est ça, je crois. J'ai entendu aussi. Emmenez-la dans la montagne. La montagne? C'est ça. Je vais la chercher.
me chercher, vous. Je vous ai rien fait, moi. C'était pas mon idée. Mais qui c'est, alors? Qui c'est? C'est... Menteur. Le patron, c'est toi. Non! Cela te surprend-il, Long Chen? Je t'ai déjà laissé la vie une fois. Il ne fallait pas que tu reviennes. Aujourd'hui, je ne serai pas aussi charitable. C'était toi? Ne bouge pas. Oui, c'est vrai. Il y a 3 ans, c'est moi qui ai tout organisé. Tes 2 amis, Lokshi et Ching, y étaient pour peu de choses. De simples jouets dont j'ai tiré les ficelles. Ah oui, voilà comment Pao connaissait tous mes agissements. Eh oui. Je suis avec Pao Tien. Maintenant, je suis son associée. Et légalement, j'ai réussi à devenir sa fiancée. Et déjà, tout ce qu'il avait en valeur a été transféré à mon nom. Tu m'as rendu un grand service. Je te remercie de l'avoir tué. Tu m'as évité d'avoir à le faire moi-même. Lui aussi était un simple jouet, comme les autres. Tu m'as aidé en tuant Locke et Ching. Aujourd'hui encore, je t'ai utilisé pour liquider Pao Tien. Long Chen, si tu veux demander quelque chose, c'est le moment ou jamais. Je préfère que tu meures en paix. Ne te fatigue pas. Vas-y, tire maintenant. C'est bon. Adieu. Ah!